Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, amis gamers, rétro gamers, collectionneurs et autres. Voilà, bienvenue dans ma game room avec ma petite, une partie de ma collection présentation de jeux rétro gaming et un peu plus récent avec, bien sûr, vous voyez la Switch Lite, mais on n'est pas là pour parler d'elle, ni du Mario Kart Live en direct. On est là pour parler de cet objet, et oui, cet objet que j'ai imprimé et qui permet de faire une très très belle présentation de vos jeux Game Boy. C'est une tour de rangement pour pouvoir ranger pas moins de 33 jeux sur cette tour que vous allez pouvoir pivoter pour sélectionner le jeu de votre choix. Voilà, juste en venant la tourner sur elle-même, tout simplement. Une magnifique tour imprimée en PLA bleu avec une de mes imprimantes 3D. Il s'agit bien sûr de l'AlphaVis U20. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos concernant mes imprimantes 3D disponibles sur ma chaîne, bien sûr. Cette tour a été imprimée, bien sûr, on en vient à l'essentiel, en deux parties. Donc vous avez la base ici qui va venir se clipser sur le haut de la tour avec tous ses rangements pour pouvoir venir mettre vos jeux Game Boy, Game Boy Advance ou même Game Boy Color dessus, sur le côté tout simplement. Alors ça se présente comme ceci. Comme vous voyez, vous avez les emplacements pour venir y mettre vos jeux. Vous venez les rentrer à l'intérieur et alors du coup, vous venez compléter et remplir votre tour de rangement. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus génial pour vraiment venir mettre en valeur tout simplement votre collection de jeux Game Boy. Donc moi j'ai choisi la couleur bleue. Vous pouvez également mettre 3 jeux sur le dessus, donc en mode un petit peu Triforce, donc en triangle, tout simplement, comme vous pouvez le voir, vraiment pour venir finir cette tour. J'ai également en dessous mis des petits patins antidérapants pour que je puisse venir tout simplement faire pivoter, tourner cette tour sans bien sûr qu'elle vienne se balader sur mon meuble. Donc voilà, donc si vous avez vraiment envie de mettre en valeur votre collection de jeux Game Boy ou Game Boy Advance ou Game Boy Color, comme je vous le dis, et que vous possédez également une imprimante 3D, je vous conseille vivement de faire cette tour de rangement qui est juste magnifique. J'en ai quand même eu pour, il me semble, 27 heures de print, mais ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas à foncer si vous possédez une imprimante 3D. Voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vous mettrai bien sûr les liens du fichier STL dans la description de cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez juste en dessous dans l'espace des commentaires. C'est fait pour ça. Voilà, donc je vous dis à très bientôt les amis. Portez-vous bien. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, bien sûr, pensez bien à activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos sur ma chaîne. Je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao les amis, à plus sur 7 Nes 67. Ciao ciao.